former, c'est notre devoir. Former, c'est notre désir. Mesdames, messieurs, bonjour. Au sommaire d'Economa News ce jour, Yaoundé accueille City Hack, le hackathon de l'innovation technologique. Innovation technologique et offre d'emploi, c'est également à retrouver dans ce journal. Voilà pour les titres. Le hackathon de l'innovation technologique CityHack prend ses quartiers à Yaoundé du 26 au 28 juin prochain. Opportunité pour les jeunes de passer des vacances utiles. CityHack rassemble des parties prenantes d'horizons différentes, notamment des développeurs, des designers, des entrepreneurs et d'autres professionnels pour collaborer et trier des solutions innovantes aux problèmes urbains et transformer ces solutions en start-up florissantes. Pont d'innovation, accélération des talents technologiques et externalisation vers le Cameroun, c'est le thème de cette édition. Espace Blue Tech Challenge dans ce journal à la question de savoir quelles sont les catégories de prix prévues pour ce concours. Eh bien, retenez que 4 catégories de prix ont été prévues pour le concours Blue Tech Challenge. Prix de la meilleure start-up tech, intitulé le prix Blue Star. Prix du meilleur projet porté par une université ou une grande école, c'est le prix Blue Academic Innovation. Prix de la meilleure start-up tech adressant les problèmes des femmes et porté par une femme, c'est le prix Blue Tech Woman. Et le prix Innovation Technologique en faveur des personnes handicapées et porté par une personne handicapée, c'est le prix Andy Blue. Blue Tech Challenge, au-delà d'un simple concours, c'est une opportunité en or que tout jeune Camerounais intéressé par le numérique devrait participer. Dès l'innovation technologique dans ce journal, notre priorité est portée sur Emploi CM. C'est un site web camerounais bien structuré et bien défini, très engagé pour l'emploi au Cameroun et en Afrique. Il offre des opportunités d'emploi dans tous les domaines des métiers, mais également les classifie par région. Un site web qui se démarque et se fait assez remarquer par cette volonté sans cesse à rendre aux jeunes Africains un accès facile à la recherche et à l'obtention de l'emploi. Place aux offres d'emploi dans ce journal. Ville de Douala, Novia Industries est à la recherche d'un manager communication and social media avec une expérience d'environ 5 ans dans le domaine. À postuler avant le 21 juin prochain, l'Institut Professionnel Excellence lance un avis de recrutement d'une assistante administrative et financière toujours à Douala. Niveau requis, Bac plus 3 en contrôle de gestion, date limite des dépôts de dossiers fixés au 25 juin prochain. Encore à Douala, OK Plast appelle à candidature un responsable commercial et marketing niveau Riki Bac plus 4 secteur industrie chimique à postuler avant le 20 juin prochain. À présent à Yaoundé, la plateforme médiatique Ecomatin recherche un community manager avec une expérience avérée dans le domaine de l'économie et finance. Les CV et lettres de motivation sont reçus dès à présent sur l'adresse contact @ecomatin.com. Et c'est la fin de ce journal. Mesdames, messieurs, votre fidélité nous honore. Retrouvez-nous en repli sur l'application Ecomuma, disponible gratuitement sur Play Store et App Store.